L'histoire de ce livre, c'était que c'était inspiré d'abord par l'annonce du Premier ministre Parizeau, qui me semble où il a défini la question du référendum beaucoup comme les Écossais ont fait ça cette fois pour la Grande-Bretagne. Et je pensais que oui, ça c'est normal. C'est une façon de devenir indépendant. Ensuite, quand je suis arrivé en Pologne ici, j'ai trouvé que personne n'a compris ça. Tout le monde a dit que c'était compliqué, incompréhensible et que personne ne serait intéressé à cette question-là, etc. Après quelques jours, j'ai compris que vraiment il n'y a pas d'appui pour cette question de Parizeau. La seule chose, c'était tout le monde était d'accord. Les libéraux ne voulaient rien savoir de cette histoire. Les gens du monde, je rappelle. La DQ. Oui, la DQ. Eux, ils pensaient que c'était trop radical. Le PQ, alors les gens m'ont dit, bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment d'accord, mais certains gens sont d'accord. Et même là, on avait des doutes de si c'était possible de convaincre tout le monde de vraiment accepter cette formulation. Donc, il n'y avait personne. S'il n'y avait personne, ça voulait dire pour moi que, bon, personne ne veut vraiment l'indépendance. Il veut autre chose, il veut autre chose. Donc, j'ai décidé de donner une série de questions simplement sur ce qu'il voulait, n'est-ce pas ? Mais sans vraiment trop parler de ce que Parizeau avait déjà proposé. Et c'est comme ça que le livre a pris une certaine forme, parce que j'avais une liste de choses qui ont préoccupé les gens, et surtout la question de négociation. Mais chaque fois... on avait une sorte de transmutation de la question de Parizeau dans un niveau allégorique. Et ça m'a frappé surtout, les allégories. Et ça dépendait de beaucoup du métier de chacun. Donc si la question était c'est quelqu'un qui travaillait pour les syndicats, ce serait des négociations qu'il voulait, qui sont les sortes de négociations qu'on a dans un syndicat. Et si c'est question de familial, alors c'était toujours le fils prodige qui retourne à la maison, n'est-ce pas? Et quand même, on a quelque chose à offrir, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, les négociations avec le fils... prodige, est quand même nécessaire pour l'établir, etc. Donc, tout le monde a proposé des scènes allégoriques pour indiquer qu'il voulait vraiment une sorte
confédération, comme, comme effectivement on avait eu en 19e siècle. Fernand Dumont a été très bien écrit là-dessus pour dire bon, alors, c'était là, mais ce n'était pas vraiment là. Et le gouvernement pouvait faire ce qu'il voulait, s'il voulait particulièrement. Si le gouvernement ne voulait pas vraiment quelque chose, alors on a laissé la Confédération, les règles de la Confédération fonctionner. Et ça, c'était l'habitude. Donc, une sorte de, et tout le monde était d'accord avec ça. Ça pourrait durer pour le reste de l'éternité. Mais malheureusement, c'était précisément ce que Trudeau ne voulait pas, n'est-ce pas? Et, donc, on a donc une série de propositions, des changements qu'il voulait pour rendre la vie plus agréable. Mais personne n'avait des propositions qui étaient vraiment constitutionnelles dans le sens propre. Donc c'est de l'allégorie. On va en parler essentiellement sur un plan allégorique. Et le livre est comme ça. J'ai écrit le livre. Je l'ai regardé ce matin pour voir ce que comment j'avais fait. Comment j'ai indiqué que c'était vraiment. Non. C'est vrai, à la fin. Ah, ça, oui. Ah, j'ai même souligné ça. Les citoyens sont donc. Ils voulaient donc acquérir l'assurance croissante quant à la fermeté de l'identité québécoise, ça, n'est-ce pas, et aux valeurs et aux capacités globales de l'État québécois, que le Québec souverain ferait tout son possible pour rétablir des ententes économiques et politiques avec le Canada, enfin qu'il assurera l'épanouissement d'une société de souche française tout en prônant une grande ouverture envers les minorités. C'est ça le résultat, tout ça. Et ça décrit fidèlement ce qu'on m'a dit. Mais j'ai expliqué que ce n'était pas parce que moi j'étais intéressé à ça, pas du tout, mais parce que moi je pensais que l'idée de Parizeau était tout à fait raisonnable. J'ai vu que ça ne fonctionnerait jamais au Québec, n'est-ce pas? Et donc, ce qui fonctionnerait au Québec est donc une solution de ce type, tu vois? Donc, ça semble être très, très vague, mais quand même, c'est stable, je veux dire, stable. Le temps, si on les posait ces questions aujourd'hui, on obtiendrait des réponses assez semblables, je pense. C'est toujours là, c'est toujours comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai... Ensuite, j'ai évidemment laissé tomber cette question de l'indépendance, parce que ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'était quand même qu'il a noté un nombre de choses qu'il fallait... Il fallait faire, n'est-ce pas? Il faut l'activité qui était nécessaire pour protéger les statuts qu'il voulait. Et ça, j'ai donc travaillé dans le cadre de ce type d'objectif. Je pense que ce serait très difficile de changer ça.
Et si et je pense que le gouvernement provincial le libéral qu'on a maintenant avec Pouillard, je pense qu'il va toucher ça, que ça, il a laissé ça plus ou moins comme ça, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le terme identité nationale est très vague dans, dans ce cas-là, n'est-ce pas? Et aussi, ce n'est pas la définition vraiment autre que la langue. Et sur la question de laïcité, personne n'a parlé de ça à cette époque-là. Maintenant, on a commencé à parler de laïcité, mais je pense que ce n'est pas vraiment fait beaucoup de différence parce que je ne sais pas ce que c'est que la laïcité. Et, tout ce que je sais, c'est que si on change quelque chose, personne ne serait particulièrement intéressé. Ce n'est pas que, c'est une. Donc. Je chercherai vraiment ce que c'est l'identité nationale. Parce que, comme je l'ai dit, on est ensemble, et les choses arrivent, et on développe graduellement un certain nombre de contraintes, et tout le monde respecte les contraintes. Quelles contraintes qui existent déjà? Et il y a d'autres contraintes qui se développent, et qu'on laisse tomber, etc. Et tout ça, le mot identité, vraiment, vient de nulle part. Il fige, hein? Il fige trop. Il fige. Il fixe. Il fige. Non, pas mal, non. Pas ça. Ça s'est développé graduellement avec les événements. Et jamais vraiment figé, changé à n'importe quel moment quand c'est convenable. C'est improvisé essentiellement, n'est-ce pas? Et aussi, c'est absolument partagé par d'autres gens. Si tu as 100 personnes d'écrire ce que c'est, tu n'aurais pas deux réponses qui sont les mêmes, n'est-ce pas? Ah non. Ce n'est pas vraiment. Pour l'anthropologie, ce n'est pas vraiment une proposition rentable. Je ne mettrai pas un sou de frais de recherche là-dedans, non. La Nouvelle-Guinée, c'est la prochaine question, n'est-ce pas? Là, j'avais. Non. C'est dommage. Non, il n'est pas là. Mais, drôle de livre, je peux l'écrire. J'ai vraiment préparé tout ça, mais ça n'a pas été efficace. C'est écrit par un type qui était prêtre anglican de provenance Orocaïva et qu'on avait envoyé plusieurs endroits pour
établir de nouvelles missions. Et a toujours réussi à développer les missions. Très, très, très efficace comme missionnaire, et orateur et tout le reste. Là. Et, très religieux. Mais on a fait l'erreur de l'envoyer à un collège pour devenir prêtre. Donc, il y avait une sorte de séminaire où il fallait apprendre le dogme de l'Église anglicane. Différent de catholique, mais c'est quand même, il y a un nombre de choses qu'il faut absolument croire et connaître, une terminologie, et alors, c'est une règle, c'est tout ça. Et là, il a passé des années pour faire ça. C'était vraiment très, très contre sa volonté d'accepter ce type de contrainte. Finalement, il a réussi. Ensuite, il a peut-être quelques mois qu'il était très perturbé psychologiquement. Et ensuite, il a eu un accident de voiture vraiment terrible. Et il a perdu ses deux pieds, etc. C'est vraiment invalide, totalement. Et là, ensuite, il voulait donc organiser ces églises, qui étaient donc des églises anglicanes de cette région. Et là, il a trouvé que chaque localité avait un nom particulier qu'il voulait donner à ça, et on voulait avoir les mythes et les légendes locaux qui devaient être intégrés quelque part dans le culte. Et, alors, ce serait était une sorte de... C'est très, très papou, mais vraiment très, très peu anglican. Et lui a accepté tout ça parce qu'il était sûr qu'il devait avoir une sorte d'intégration des croyances du passé et les croyances actuelles, et que tout ça devrait être une unité, et on ne pourrait pas repousser... interdire toutes sortes de choses comme ça. Donc, il a laissé passer tout ça. Ensuite, l'église anglicane a refusé de reconnaître cette église. Ce qui n'était pas étonnant, parce que ce n'est pas eux. Hein. Et au 16 ans, c'était... Alors, l'église anglicane, c'est le centre de l'Angleterre. Il faut donc... tenter d'expliquer ce qu'on est en train de faire en Nouvelle-Guinée et expliquer ça à un public assez conservateur en Angleterre, c'est vraiment impossible. Et donc, on a dit non, on ne pouvait pas expliquer tout ça, accepter ça. Et donc, il est devenu une sorte de très isolé et a écrit ce livre trois parties. La première partie, c'est la partie ancienne, pas de problème là. La deuxième partie, c'est un désastre, un peu comme la deuxième guerre mondiale, mais c'est plus allégorique que ça. C'est vraiment tout l'univers qui était perturbé et bien survécu quand même. Et ensuite, sa vie avec l'accident et l'impossibilité de se faire intégrer ces églises. Il était là. Et donc l'univers est laissé dans ce état de désordre, n'est-ce pas? Et ça a décrit plus ou moins ce qui est l'histoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis l'indépendance. C'était là l'indépendance du pays. Et donc, comme ça, c'est
un livre tout à fait remarquable. On ne peut pas trouver une meilleure photographie, comme je veux, du pays que ces trois phares. Et aussi le texte du débâcle, alors c'est vraiment magnifique. Donc ça, c'était plus ou moins l'expérience aussi d'André qui a travaillé avec ce type-là, ce village de ce type-là, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment ça. Vous faites référence au film d'André Kianou, Eric, hein, c'est ça? Alors, le mot qu'on a ici, bricolage, ce n'est pas le mot vraiment. Parce que c'est une série de désastres plutôt que syncrétisme encore moins. Hybridité, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Mais c'est une série de calamités qui, quand même, mène à un autre état plus ou moins stable, où tout le monde trouve son compte. Les églises sont toujours très bien, une très, très bonne participation, tout le monde participe, et le mélange entre anglicanisme et tradition semble convenir à tout le monde, et donc il semble avoir fait ce qu'il faut faire pour ajuster la religion à la situation, n'est-ce pas ?